ce nouveau vlog. On est le lundi 28 août et aujourd'hui je suis à Glasgow pour un city trip glasgowien. Je sais pas si ça se dit, mais pour un city trip à Glasgow, voilà, en Écosse. Je suis assez content, c'est la première fois que je viens ici. Et bon, la météo, bon, ça pourrait être pire, mais en tout cas là je vais faire un voyage de nuit dans un mégabus. Bon, j'ai mieux dormi que quand j'avais été à Edimbourg ou alors à Aberdeen. Mais c'était différent, voilà. Mais là je vais essayer d'aller au Visitor Information Center pour aller récupérer quelques informations. Et voilà, mais non, ça devrait bien se passer. Et à 14h j'ai mon hébergement, voilà. Donc ça va plutôt être sympathique, je pense. Voilà, c'est parti. Bon, je viens de prendre le métro de Glasgow avec cette carte qui marche comme la Oyster Card, avec une limite également. Ici c'est la limite des 4 pounds pour le total, enfin, voilà, pour tous les endroits. Mais en même temps il n'y a pas beaucoup de lignes, je crois qu'il n'y a qu'une ligne qui fait tout le tour et après il y a les bus etc. Mais ouais non, après c'est pratique, là c'est pour aller à l'université parce que du coup c'était un petit peu loin et vu que je suis pas là longtemps et qu'il y a le mauvais temps aussi, et bien j'ai décidé de prendre le métro. Le métro est très bizarre, c'est un mélange entre modernité et ancienneté. Disons que les wagons sont très bizarres, ont l'air très vieux et c'est pas, la stabilité n'est pas là. Mais ouais, en tout cas prenez cette carte là, ça vous coûte 3 pounds au lieu de 5 à Londres. Bon, après comme j'ai dit à la dame, parce que j'ai demandé des informations pour savoir plus, à Londres on a plus de lignes, ici il n'y a qu'une ligne. Bon après on va pas se plaindre, hein. Franchement c'est pratique le métro, voilà. Bon attendez, je crois que... non c'est bon, je crois qu'il y avait une goutte sur l'objectif, enfin voilà. Il pleut beaucoup, c'est vrai, là je suis sous les arbres, du coup ça se voit un peu moins. J'ai peut-être les cheveux un peu trempés, mais comme j'étais en train de me dire, c'est pas des gouttes d'eau, c'est pas de la pluie qui va m'empêcher de faire mon city tripping. Voilà, putain, il pleut encore de plus en plus parce que j'ai dit ça. Ah là là. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu autant de pluie. Ou alors ça se trouve, je me rappelle plus. À ce moment, je me rappelle plus. Ça se trouve, je fais peut-être un déni, mais cette pluie là, elle est horrible. Bon, je suis juste au niveau du panneau de l'université pour l'entrée pour les visiteurs et un petit musée, voilà. Parce que oui, il y a une boutique souvenir et tout. J'ai acheté 2 cartes postales plus un tour de cou, vous savez, spécial d'université de Glasgow. Pourquoi pas. Mais non, ça m'a pas coûté cher du coup. C'est un multi-city trip, oui, je vous l'ai pas dit, c'est un multi-city trip que je fais. Et vous verrez au fur et à mesure des vidéos où est-ce que je vais. Mais il y a une vidéo par ville, voilà. C'est ce que je peux vous dire. Une vidéo par ville et il y a plusieurs villes. Voilà. Thank you.
Pour Vlog Update, maintenant je suis plus flou, hein. J'étais flou, j'ai essayé de faire des prises là, j'étais flou. J'essaye de me rendre jusqu'à l'hébergement. Je viens d'aller manger à Subway, alors oui, on a l'impression de faire que d'avoir fait que de manger, alors que non, c'est pas vrai. J'ai pris le métro, j'ai été me balader, j'ai été à l'université, etc. Mais bon, après, là il pleut plus, du coup c'est assez pratique. Voilà. Et oui, j'ai le tour de cou, hein, que j'ai pris pour ma carte de transport, la soi-disant Oyster Card de Glasgow. Voilà. Quelques news. Ah oui, mes cheveux commencent à prendre du volume, beaucoup trop d'ailleurs, mais c'est parce que quand il pleut, du coup ça s'échange, ça les mouille. Enfin, maintenant c'est un peu normal, mais toujours à Glasgow évidemment. Et non, je voulais juste dire que en théorie et normalement demain, pour le prochain, enfin en gros pour les prochains endroits où je vais, il n'y a pas de souci avec ça en théorie, avec la météo. Normalement il devrait faire beau, donc on va voir ça. Là, je suis juste à côté de la cour de justice de Glasgow. Évidemment, pas de Belfast ou de Venise ou autre, non. C'est bien Glasgow. Voilà. J'ai toujours pas trouvé ma fameuse boîte, vous savez. Mais j'en ai vu, mais en fait, pas la même forme exactement. Et ouais. Bon, enfin, on fera avec. Hein. Faut s'adapter. Voilà. Moi je suis un métro de Glasgow, voilà. Alors, en fait c'est comme ça, il y a le cas en face, c'est comme un peu le métro de Londres mais très différent, et enfin quoique non, il y a les bouches ici, voilà. Et là je vais voir un truc de street art que j'ai vu sur Google Maps, j'avais envie d'aller voir. Bon, vlog update, je suis toujours à Glasgow, ça se voit pas, ça se voit peut-être pas, hein, mais c'est Glasgow, toujours, et toujours avec ma carte, hein. C'est pas marqué ici, mais marqué Londres, c'est mon t-shirt Londres, de la tyrolienne d'ailleurs, on s'en fout. Je vais essayer d'aller, là j'essaie d'aller voir un peu le street art, parce qu'apparemment c'est marqué sur Google que c'est reconnu pour le street art. Du coup on va aller voir ça, voilà. Donc le temps s'améliore, il pleut plus, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure.
Donc voilà. Bon, je suis juste à côté de l'endroit que je voulais voir. C'est ici en fait. Alors en fait, on peut pas rentrer. En fait, c'est un truc qui est désaffecté. Mais avec des street art et tout qu'on peut voir quand même. Puis même le bâtiment en tant que tel est super joli. Honnêtement, je vous conseille de venir. N'essayez pas de rentrer dedans, c'est interdit de toute façon. Moi je ne le fais, moi, je le fais pas parce que de 1 c'est interdit et de 2 le truc ça a pas l'air de ça a l'air de tenir mais pas longtemps. Hein. Alors, vous voyez, il vaut mieux pas jouer avec. Voilà. Mais regardez-moi cet endroit là derrière. Ça rend super beau. Moi j'aime bien, franchement. Waouh. Bon, le update. Donc voici revenu au niveau de l'université que nous avons été voir tout à l'heure. Et je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure il pleuvait, mais vraiment beaucoup trop. Et bah, en fait je suis passé à côté et parce que j'étais dans le parc que vous avez vu avec l'art galerie et j'ai vu que c'était ouvert. Et bien, du coup je me suis dit bon bah, enfin je me suis dit, j'ai vu que c'était pas loin. Du coup j'ai dit bon, on va y aller. Voilà. Ce qui fait beau. Puis il pleut pas. Donc là ouais je me prépare, je vais aller voir un dernier truc. Il est 7h et quelques à peine. Enfin 7h15 à peu près. Et ouais non je vais bientôt rentrer à l'auberge parce que je suis assez fatigué. Et surtout parce que après, non, enfin en gros, faut quand même que je me repose assez suffisamment. Pour un peu rattraper la nuit qui vient de passer. Et parce que également, comment dire, il faut quand même que je sois bien reposé aussi pour demain et pour les jours qui viennent. Voilà. Parce que c'est pas qu'un seul city trip là. Non, pas du tout. Bon, dans quelques minutes pour vous, je vais voir la cathédrale de Glasgow peut-être. Voilà. Pour moi, c'est demain. Mais vu que j'arrête le vlog, que lorsque je pars pour ma prochaine destination. Voilà, parce qu'en fait c'est pas un vlog une journée, non, c'est un vlog destination, voilà. C'est, enfin, en fait j'ai réfléchi pas mal comment je pouvais faire et j'ai trouvé que c'était la meilleure idée, voilà. Bon, vlog update, là je retourne à l'auberge jeunesse, enfin là où je dors. Et on se retrouve dans quelques instants. Si je filme pas d'ici là, mais on se retrouvera dans quelques instants pour la suite du vlog demain matin pour moi. Mais pour nous, c'est dans quelques secondes ou minutes. Ça dépend de ce que je filme entre temps. Voilà. Bon, même si on est toujours dans le même blog, hein, la même vidéo, etc. Je vous dis bonjour parce qu'on est le matin. Je viens de me réveiller, enfin je me suis réveillé, non, ça fait une toute petite demi-heure que je suis réveillé. Bon, j'avais mis mon réveil un peu plus tôt, à 7h30. Et en me réveillant, j'ai fatigué. Du coup, bah, je me suis rendormi automatiquement. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, j'étais fatigué. Et juste derrière, il y a le pont, là, je sais pas si vous voyez. Alors, c'est que le petit pont en dessous, hein, c'est pas la grande partie au-dessus, c'est le pont Georges V, voilà. Donc là, je me rends à pied à l'endroit emblématique de Glasgow, d'architecture moderne. J'avais vu ça sur les cartes postales et même sur internet et tout, et je l'ai toujours pas vu. Bon, je suis actuellement sur le Tradeston Bridge, ça ressemble vraiment beaucoup au Millennium Bridge de Londres.
avec le câble et tout, mais c'est pas du tout ça. Mais je sais que j'ai vu qu'il y avait à Glasgow un Millennium Bridge également. Peut-être on va le croiser, je ne sais pas. Je vous tiens au courant. Bon vlog update, alors juste derrière moi, je sais pas si vous voyez ici, voilà, c'est le l'opéra de Glasgow, voilà. On pourrait croire que c'est l'opéra de Sydney en Australie, mais pas du tout en fait, c'est Glasgow. Il est parfois confondu, mais bon, hein, voilà. Et il y a l'immense grue, peut-être, qui est sûrement connue, je pense, moi en tout cas je l'ai vu à pas mal d'endroits. Avec aussi un espèce de stade là-bas, enfin là où il doit y avoir des concerts là-bas, à mon avis, juste derrière la grue. Et ce fameux pont, voilà, je sais pas du coup le nom de ce pont, mais bon. Et je crois qu'il y a un Millennium Bridge pas loin. Je vais regarder sur mon téléphone et je vous montre, voilà. Bon, je suis du... j'ai pas vu le Millennium Bridge exactement, parce qu'en fait on le voyait pas. Mais je l'ai vu sur la carte, il est pas loin. Mais... bon, si vous venez par ici, venez peut-être le voir. Bon, après c'est un Millennium Bridge, hein. Pas ouf. Mais non, je suis un petit peu en galère là. Parce que du coup, il faut que je rattrape une bouche du métro. Et vu qu'on est un petit peu dans le sud de Glasgow, il n'y a pas grand chose, mais bon, on va y arriver. Il y a toujours l'opéra là-bas, c'est un opéra. Et faut que je marche vite, je vais voir les locaux de BBC en cours de route, mais bon voilà, c'est fatigant. Bon, je suis juste avec BBC Scotland là-bas, les locaux de la BBC en Écosse. Ah, il me semble qu'il y en a une, deux, à Aberdeen peut-être. Bon, la météo est toujours meilleure qu'hier et aussi meilleure qu'il y a genre une demi-heure. Putain, il s'est gris et en plus il commençait un petit peu à pleuvoir. Bon, ça se dégageait un petit peu. Bon, en vrai, c'est combien, mais bon, c'est bien pour les dernières minutes. J'ai été acheter à Sainsbury du coup ce que je pense, ah non, ce que je pense, non, ce que je vais manger ce midi, si on est dans le bus ou alors. J'ai aussi acheté de quoi manger pour mon petit déjeuner parce que j'ai toujours pas mangé. Il est bientôt 11h, j'ai toujours pas mangé un petit déjeuner. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon, après, c'est parce que j'ai voulu optimiser mon temps, c'est pour ça. Mais bon.